Salut les amis, c'est Bitel2, j'espère que vous allez bien les amis, ouais, on se retrouve pour ce 14e épisode, on va capturer Miu. Ouais, je pense que vous avez lu sur ma chaîne que j'ai eu pas mal de bugs, donc du coup j'ai pas pu la mettre et tout, ça a été vraiment un calvaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la capture de Miu, et demain, ça va être un épisode assez court quand même, parce que j'ai pas envie de le louper. Ouais, je vous ferai un épisode genre de 7 minutes à peine, parce que j'ai vraiment pas envie de le louper. Je voudrais faire une dédicace à quelqu'un qui m'envoie, à Sisso, qui m'a envoyé un message vraiment super sympa. Merci à toi, parce que je sais pas, tu m'as vraiment remonté le moral avec ton message, ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc merci à toi mec, parce que waouh, ça m'a vraiment fait vraiment du bien. Donc merci à toi, parce que waouh, t'inquiète pas, je suis addict à tes vidéos, que ça mette 3 ou 4 jours, c'est pas grave, je tiendrai le coup. Donc sérieux, bah mec, merci de m'avoir dit ça, parce que ça m'a vraiment fait super plaisir. Pendant que j'y parle de dédicace, je refais une grosse dédicace à Stefano, hein, parce qu'il m'a vraiment aidé aussi, aussi pour son maquillage de chaîne. Je vous rassure, hein, les amis, normalement, j'ai tout sauvegardé. J'ai tout sur une clé USB. Tous mes épisodes sont sur une clé USB. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Même si un fichier hacker qui vient et qui me hack ma chaîne, bah, vous inquiétez pas. Je recrée une chaîne et hop, 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 on se remet toutes les vidéos. Vous inquiétez pas. Et de toute façon, je suis sur un Mac, donc même si je les mets sur un Mac, on peut pas me hacker. On peut pas mettre de virus ou détruire un disque dur. Enfin, tout va bien. Donc on se retrouve pour la capture de Miu, le Pokémon tant convoité. Donc c'est parti les amis, on y va. Pokémon, réussite du premier coup. Alors, vol vers Azuria. Je vous fais une énorme annonce. C'est que je crée un partenariat avec Joe du 60. Donc allez voir sa chaîne, hein, je vous mettrai bien. Donc c'est Joe du 60. D'ailleurs, Joe, je t'enverrai un MP tout à l'heure qui sera un peu important. Je sais que tu vas, je pense pas apprécier du tout. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas en rapport que je vais abandonner le partenariat. Non, non, mais je pense que ça peut pas vraiment plaire. Donc voilà, donc je vous annonce ce partenariat. Ainsi qu'un autre partenariat avec Unlimited XXX2, mon cousin qui fait en ce moment des vidéos de gameplay, de jeux, vu qu'il a sa PSP craquée, c'est plus facile. Donc voilà, donc ça. Donc, je vais faire. Encore cette attaque privée. Je vais faire donc un partenariat avec lui. Parce que en fait, je vous annonce tout de suite, je vais pouvoir là. Je vais faire des vidéos de MW2. De MW2 ainsi que de Black Ops avec lui, parce qu'on va faire pas mal de zombies nazis aussi. S'il y en a qui jouent par exemple sous Alternative IWNet, faites-le moi savoir, comme ça on pourra jouer ensemble avec mon cousin. S'il y a quelqu'un qui veut bien m'accepter aussi dans un serveur Minecraft, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que j'arrive pas du tout à en trouver, c'est juste horrible pour trouver un, hein, j'arrive pas à rentrer. Donc voili voilou. Hop là, il est mort. Je tiens à signaler à Skylips que mon Pikachu n'est pas mort depuis 2 vidéos. Enfin avec celle-ci, je veux dire. Donc je pense que si tu as vu mes progrès, maintenant tu te tais. Et t'arrêtes de dire que les Pikachu ils sont morts à cause de moi. Donc nous voilà, on se rejoint donc pour.
Hop. Hop. Hop là. Eh ben non, je ferme. Et bah ben voilà, notre petit Mew. Ah punaise, je le trouve quand même vraiment super bien fait pour l'époque. Je le trouve quand même déjà mieux fait que sur Bleu. Désolé Sifano, mais il faut avouer quand même que la qualité est pas super sur Bleu. Donc voilà. Donc maintenant on va y aller avec la hyper boule que j'ai achetée. Alors, est-ce que tu es capturé du premier coup? Wild Yeman. Donc nous voilà en possession de Mew. Donc je vous annonce que vers fin juin, j'aurai. Oui, je sais que je prévois un peu beaucoup en avance. Donc ouais, j'aurai donc récupéré mon PC et du coup je vais me lancer aussi dans des gameplays. Je vais craquer mes cosplays, du coup je pourrais vous faire par exemple des vidéos de Monster Hunter Freedom Unit, je sais pas s'il y en a qui aiment. Et je vous permettrai aussi de savoir comment jouer en ligne avec Monster Hunter Freedom Unit sur PSP. Donc ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo vers mi-juin. Donc là on va se faire un petit croupier hein, qui ne sert à rien. Hop là, on est sorti. Aussi, je fais une autre annonce. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'annonces. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. Je vais bientôt me lancer dans ma création d'une ville Pokémon sur Arbor. Donc, je vous explique le principe. S'il y en a qui ont envie de passer sur Arbor. Donc en gros en fait je construis une ville où il y aura pas mal de... Bah j'essaie bien un peu de repoquer comme vous. Donc par contre il y aura tous les Pokémon de la première jusqu'à la... cinquième je crois. Cinquième génération. Voilà, si vous voulez déjà vous inscrire, faites-le moi savoir par MP. Parce que en fait je vais construire avec un autre ami qui s'appelle Thibaut, je salue grandement d'ailleurs. Oh là, pardonnez-moi de mon bruit. Donc le web Thibaut, c'est un bon ami à moi. Donc s'il y en a hein, qui veulent nous aider aussi à créer cette ville, parce que ça va être un peu cher aux questions crédit téléphonique. Oui, parce qu'en fait, pour créer les villes et tout, il faut des mobiles et en fait, ça coûte des crédits que l'on achète par téléphone. Donc dites-moi hein, si vous voulez nous aider, parce que franchement, ça nous aiderait grandement. Parce que c'est un peu cher et tout, donc si on veut faire une ville totale, ça sera un peu cher. Donc il y aura un forum évidemment qui nous permettra de dire qui veut être légendaire ou pas. Et il faudra poster donc un CV, donc il y aura aussi... vous pourrez aussi avoir l'opportunité de devenir champion d'arène. Donc dans ce cas, par contre, ce sera vous qui devrez créer votre arène. Donc voilà, j'en ai fini avec cette annonce. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui est assez riche en informations. Donc d'ailleurs maintenant je vais vous donner donc l'indice de cette vidéo sur mon prochain Wulchu. Donc l'indice, je vous ai dit qu'il fallait 4 éléments, que l'on peut les assembler avec les gens, qu'on peut être grand ou petit. Il est sorti en 2004. Voilà. Sorti en 2004. On peut les assembler avec les gens. On peut jouer aussi grand que petit. Et on peut. Oh, je sais plus. Désolé. Donc voilà, je m'arrête. Aujourd'hui avec cette vidéo, donc demain je reviens pour ce mercredi avec la vidéo de du champion d'arène de Céladopol. À plus.